Jean-Marc Morandini. Et on accueille Willy qui nous rejoint. Bonjour Jean-Marc, bonjour, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Willy. C'est bien Muriel. Et je crois que vous avez une petite déclaration à faire, Willy, à Muriel Robin. Tout à fait, ma chère Muriel. C'est à la femme que je m'adresse ce matin, et non pas à l'actrice ni à l'humoriste de talent que vous êtes, même si j'apprécie beaucoup la comédienne. Hein, d'ailleurs, pour moi, votre plus grand rôle, c'était dans ce superbe film plein d'émotions, LCL. À un moment donné, Pierre Arditi vous dit dans un dernier souffle, « Si je vous pose une carte à 1 euro, ça vous va ?» C'est alors que retentit une voix qui semble venue de l'au-delà et qui vous susurre. Oh, que d'émotion ! J'en tremble encore ! Mais revenons à la femme, chère Mumu. Vous avez dit, je me balade dans le féminin et le masculin et je l'adore, mon masculin. Eh ben, rassurez-vous, Muriel, moi aussi, je l'adore, mon féminin. Je sais pas comment vous gérez votre masculinitude, mais moi, ma féminitude, je la gère au poil. Vous nous imaginez tous les deux en couple ? Pas du tout. Si, imaginez-vous. Oui, si, oui, 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 si, si, imaginez-vous. Oui. Vous, la femme, hein, vous, la femme, c'est un peu... C'est mon côté cougar. Voilà, sûr, c'est un peu... Cougar. Hein, vous, la femme, un peu... Un peu, un peu... Puis moi, le mec, un peu... Un peu trop, enfin bon. Hein, ah ça, des chroniqueurs à voix de chroniqueuse, tu peux chercher, il n'y en a pas ici dans le métier. Hein. Mais je m'en fous, ça a plein d'avantages d'avoir la voix d'un dessin animé. Plein. Ah bah tu peux... Ah bah non, il n'y en a pas. Quand j'étais petit, on était tellement fauchés que mes parents, visiblement, la seule puberté qu'ils ont pu me payer, c'était une puberté Leader Price. Moi, j'enviais mes potes qui avaient des boutons, des poils. J'avais même une copine à 12 ans qui avait de la moustache. Tu te rends compte? Et moi, rien, que dalle. Non, mais j'ai mué pourtant, je te rassure. Avant, j'avais une voix tellement aiguë, on aurait dit des ultrasons, il n'y a que les chiens qui me répondaient. J'aurais adoré être chanteur. Tu pétais les vases? Oui. j'aurais adoré être chanteur, mais quand je chante, on dirait l'alarme d'un scooter. Au bout de 2 notes, mes voisins appellent les flics et croient qu'on leur vole leur bécane, t'imagines ? Mais je suis sûre qu'à 60 ans, j'aurai une vraie puberté, je suis sûre. Je m'imagine bien la pharmacie. Bonjour, je viens chercher mes médicaments pour mes problèmes de prostate. Sinon, vous avez du Biactol ? Hein ? On sait jamais. Est-ce que rien ? Ça ne vous... Non ? Non. Vous en fichez ? Rien, bah je passe à la suivante. Quelqu'un un jour m'a dit, mais c'est votre vraie voix. Non, d'habitude j'ai la voix de Barry White, mais en public j'adore parler comme Maya l'abeille. Connasse. Mumu, un jour vous avez dit, j'aurais aimé être Sharon Stone. Bah oui, bah moi aussi j'aurais aimé être Sharon Stone, être Brad Pitt. Hein ? Même être Jean-Marc Morandini, c'est vous dire à quel point je suis désespérée. Mais c'est sûr que pour appâter les gonzesses, un physique comme le mien, c'est pas l'idéal. Hein. Ça, souvent, elles le disent. Hein. Mon prince charmant, oh, j'aimerais qu'il soit tout petit, tout chétif, avec une coupe à la con, hein, et la voix de ma mère. De Noël, ma mère? Non, de ma mère. Oui, je suis le prince charmant qui arrive sur son petit poney blanc. Non, et vous encore, Mumu, vous venez de Saint-Étienne. Alors bon, on peut se dire, ouais, à Saint-Étienne, bon, le physique des gens, voilà. Non, mais moi, je suis italien, tu vois. Je suis censée quand même représenter le playboy à l'italienne. Normalement, j'aimerais vous chanter la sérénade. Mais avec mon organe, tu veux que je te chante quoi, ça? Hey! Tu parles d'un romantisme? Même si je vous le fais en italien, René Latope. Que sei carino, 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 carino. Carino, 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 non, hein, ça reste de la merde. Hein. Et sempre de la merde. Non, mais vous, au moins, Mumu, ça vous a pas empêché de recevoir un Emmy Award aux États-Unis, la classe. Hein. Comme j'étais fière de vous voir devant ma télé ce soir-là. Ah, Mumu, elle se la pétait grave. Hein. Yeah. Thank you very much. I'm very McNuggets with Sunday Caramel. La Muriel dit qu'elle est très heureuse. I'm very American Express parking and Jane Birkin ketchup. La Muriel dit que Marie Bénard l'a transformée. Oh, yes, yes, la Muriel Robin dit oh non, non, non. Mumu, grâce au foot et à Saint-Étienne, ces jours-ci, on entend beaucoup ça. Mais l'autre super force, c'est vous. Alors, masculin, féminin, on s'en fout. Comme dirait le poète Bruel, je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Moi aussi, voilà. Je t'aime. Bravo, Willy, sur Europe 1.